en a encore d'autres à aller chercher. Dans le butin de Niesti. Donc c'est ici, et ici en fait c'est particulier parce que vous pouvez voler en continu, sans jamais retomber. Alors en fait c'est un peu bizarre, vous pouvez pas vraiment voler librement. Vous pouvez voler, mais que à une certaine hauteur. Par exemple là je peux pas voler plus haut pour aller chercher ces coffres. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait ça dépend de où vous commencez votre vol. Vous ne pouvez pas aller plus haut que là où vous commencez votre vol. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Et si on veut voler plus haut, il faut débloquer voilà, justement les clés de ces connards en pyjama. Reviens là. Donne-moi ta clé. Viens là. Nous sommes déjà à 305 joyaux, mais ce n'est rien. Ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Là, il y en a d'autres qui traînent. Parce que là, c'est uniquement des joyaux de 10, des joyaux de 25. Donc le compteur de joyaux va monter vite. Vous allez voir. Alors, grâce à la clé, on peut ouvrir la porte qu'il y a en haut. Ici, là-bas. Oh, superbe! Quel génie! Pour ouvrir cette porte. Avec un bord des coffres. Voilà, et maintenant nous pouvons voler de un peu plus haut. Et maintenant, si on part d'ici, on a une vitesse de vol, enfin une hauteur de vol plus conséquente. Nous pouvons passer dans ce petit passage. Petit passage chaud. Et ça n'a servi à rien. Le passage servira plus tard. Mais je pensais que c'était intéressant de vous montrer ce passage. Donc il faut qu'on aille plus haut pour aller chercher d'autres joyaux, notamment tous ceux qui sont ici, avec ce petit bonhomme en pyjama encore là. Oui, voilà, le petit bonhomme en pyjama qui a décidé de se suicider. Parce qu'en fait, visiblement, ils prennent les débris des coffres qu'on casse. Ce qui n'a aucun sens. Mais bon, tant mieux, ça nous évitera de lui courir après. Et nous pouvons donc ouvrir la porte qui était verrouillée. La porte ici. Donc là nous avons un bonhomme en avion. Il va falloir attraper. On va attendre qu'il revienne. Et hop, ça dégage, merci. Pour encore une clé. Alors où est-ce qu'on peut. Qu'est-ce que tu fais? Pas là-bas. Là nous avons un coffre. Là nous avons une fusée. Fusée qui va aller taper le coffre là-bas. Nous allons pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Pour voler toujours d'encore plus haut. Il y a encore un mec en avion. Rappelez-le ! Voilà, et c'est ce passage. Voilà, le passage sert à ça. Sert à faire la course avec ce bonhomme en avion. Reviens là ! Ah ouais, fais George Slalom, vas-y. Fais ça.
Attention, attention, ça chauffe. Attention, ça chauffe. Attention, et voilà. Voilà, ça a trop chauffé. Ça a trop chauffé pour toi. Très bien. Nouvelle clé, nouvelle porte. Avec juste un joyau. Magnifique. Mais là, nous avons atteint le point le plus haut, et donc on peut vraiment aller partout. On peut vraiment aller partout. On peut notamment aller ici, pour allumer cette fusée. Fusée qui va aller ouvrir le coffre en face. C'était celui-là. On peut allumer cette fusée pour ouvrir le coffre en face. Et là, nous avons encore une fusée pour ouvrir le dernier coffre, je suppose. Très bien. Il nous manque encore des joyaux, je pense. On est seulement à 950. Il doit manquer des joyaux. Mais où sont-ils ? Alors, il doit être par là, parce que là c'est le retour à la maison. Voilà, sauf que par là, bien sûr, il y a toute une panoplie de joyaux. Avec le feu d'artifice. Voilà, et là il y a le vrai trésor. Et c'est 2000 sur 2000. Le butineur. C'est nous le butineur. Donc ce qui fait au total 14 000 singles de diams à mettre dans votre chambre. Et c'est parfait. Voilà. Et c'est parfait. C'est parfait. Nous avons tous les singles de diams. Spyro le dragon. Et là on reçoit notre disque de platine. Trouvez les œufs de dragon, sauvez tous les dragons et retrouvez tous les trésors du royaume des dragons. Comment te sens-tu ? Je suis en feu, Bob ! Et je suis content pour le royaume des dragons, bien sûr. Je n'aurais pas voulu passer le reste de mes jours à tomber sur Gnastignork et ses sbires farfelus. C'est quoi un sbire ? Oh, oublions ça. Tu sais ce qu'on dit. Pour qu'il y ait un beau combat, il faut un bel adversaire. Et je pense que Gnasty, aussi méchant soit-il, était un bel adversaire. Oh oh, c'est reparti! Et voilà, ça c'est la vraie fin. L'aventure continue, c'est vrai. Et ce sera dans l'épisode numéro 2, sauf qu'on n'a pas encore eu le trophée de platine. Nous ne partirons pas sans avoir fait briller le trophée de platine.